Astérix, le Gaulois. Astérix, le Gaulois. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Oh non, tu as utilisé Pierre. Ouais, j'ai gagné. Pierre, feuille, papier, ciseaux. Oh non, tu as utilisé ciseaux. Eh ouais. Je sais pas comment tu fais, mais tu dois être très fort comme joueur de pierre, feuille, papier, ciseaux. Oh, il n'y a pas rien de compétence quoi que ça d'autre. C'est histoire de amusement. On fait ça pour s'amuser. Tu as bien raison, Pierre, feuille. Les gars. Oh, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? J'aime harceler tout le monde. Ouais. La dernière fois, tu nous as fait chier avec l'histoire de Stitch à son trésor. Qu'est-ce que tu nous veux? Ouais, qu'est-ce que tu nous veux? C'est quelque chose de plus grave. Quoi? Il faut protéger les poulets qui sont là-bas. Tu veux encore essayer de faire une quête de protéger les poulets, c'est ça? C'est vraiment important que ça. Quoi? Pourquoi vous ne croyez pas? Je te rappelle quand même que tu nous as fait chier à chercher le trésor alors que tu as essayé de nous faire un jouet à tour, hein, tout ça pour un tracteur. Mais cette fois-ci, beaucoup plus important. Est-ce que vous tenez la vie avec les poulets? Les poulets sont beaux pour être criés. Ouais. Et fais gaffe à ce que tu dis parce qu'il y a Toto qui va regarder notre vidéo et que s'il nous regarde, il va sûrement nous tuer. C'est vrai? C'est vrai? Mais c'est horrible alors! Et comment tu peux savoir qu'il faut protéger les poulets? Vous avez entendu les Pokémon? Les Poké... Pokéminables? Pokéminus? Non! Les Pokémon, vous savez les créatures, que ce soit Pikachu... Ah! Pika, chou-fleur. Ah oui, je m'en souviens, Pikaka. Je pense que vous avez fait exprès Pikachu. Ouais, bah on s'en fout, ils nous respectent même pas. Ouais, j'ai entendu Marisot et Flamiaou en train de créer une stratégie pour capturer les poulets puis les faire grottir. C'est vrai que Flamiaou a l'air un mauvais caractère. Mais Marisot ne ferait jamais telle chose. Est-ce que tu as entendu parler de Minako? Astérix ne reprend pas avec ça, c'est chiant. Bon, d'accord. Et Ami de Sailor Moon? Ami? Ah, la fille qui est intelligente et puis qui en devient une connasse? Ouais. Pourquoi est-ce que les personnages de Sailor Moon deviennent des connasses? Parce que ce sont des filles. Ça fait un peu sexiste ce que tu dis là. Et j'adore. Bon, enfin bref. Il faut vite trouver un moyen pour protéger les poulets avant que Marisot et Flamiaou trouvent un moyen pour les faire crier. C'est un peu normal vu que les Pokémon sont aussi des carnivores. Ils s'entretuent. Tu te souviens à chaque fois lorsqu'ils participent dans des champions d'arène ou bien la tour des îles? Ouais, je m'en souviens. Et tu te souviens que Ratatak ou bien encore Arcus qui a dévoré des tas de Ratata? Oh mon dieu, c'était horrible. Donc, mais si c'est encore un détour pour nous faire troller, je t'assure que tu auras une baffe. T'inquiète pas, j'ai bien retenu la leçon. Allez, c'est parti. Et ça recommence avec cette chanson. Quand j'entends cette chanson, ça ne dit rien qui vaille. Tais-toi et venez. Regardez ces poulets en l'air. Très délicieux, hein, n'est-ce pas, Astérix? Ouais, c'est ça. Je te rappelle quand même que c'est une histoire pour protéger les poules. Pas pour les manger, je te rappelle. Hein, n'est-ce pas, Obélix? Obélix, qu'est-ce que tu fous? Les poulets sont bons à être à manger. Et Toto, alors? Oh, merde, j'avais oublié. Comment je vais faire pour sortir d'ici? T'as qu'à démerder, gros. Je suis pas gros. Il y a un seul et il n'est pas gros. Tu dis ça à chaque fois. Bon, on n'a qu'à rentrer ici et trouver un moyen pour faire piéger les Pokémon. Oh, regardez. Regarde, c'est l'œuf. L'œuf parfait pour faire des œufs. Non, n'y pense même pas. Mais pourquoi? Quand il s'agit des poulets, tu veux pas. Mais quand il s'agit des œufs, tu veux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on mange? Bah, vous n'avez qu'à manger des légumes. T'es vraiment le pire mec du monde, Astérix. Merci, on me le dit souvent. Alors, si je comprends bien, tu veux qu'on protège non seulement les poulets, mais en plus de ça, des œufs? T'as tout compris, mon petit Luffy, Luffyette. Oh là là, tu n'aurais pas dû m'insulter, ça se fait pas.
Ouais, c'est vrai, ça se fait pas, Astérix. Comment oses-tu traiter Luffy de fille? Parce que ça ressemble à une fille, parce qu'elle porte des shorts. Bah tout le monde porte des shorts. Et je te rappelle quand même que toi t'es blonde. Et moi au moins je porte pas des couettes, des petits nœuds papillons. Oh, tu viens de m'insinuer que je suis une fille. T'as tout compris. Alors là, j'aurais dû dire non pour la quête des poulets. Eh, hey, c'est entre la vie et la... Tu vois l'idée? Ouais, ouais, si tu le dis. Mais comment va-t-on faire pour surveiller ces trois poulets qui sont là? Ça a l'air pourtant évident. Et ces trois poulets là, je me demande si... Ce ne seraient pas des poulets... je sais pas. Des trucs où ils ressemblaient les psychopathes dans la vidéo de Mario. Tu l'as dit. Attends, vous n'avez pas vu des Pokémon au sol? C'est-à-dire là? Ah bah non. Tu vois tout de travers, Astérix. C'est ça ton problème. Je vais faire un peu de coucou avec les poulets. Fais gaffe, sinon il va tous nous tuer. Mais bien sûr. Petit poulet, viens ici vous connaissez. Alors, vous allez bien les poulets? Et bah, pourquoi vous avez des armes? Aïe. Oh, mes fesses. Oula. C'était des épées, hein. Des épées à couteau suisse. Il y a même des pistolets. Contre ceux qui ont mangé les élastiques. Tu voulais pas dire le fruit du démon? C'est à peu près la même chose. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On surveille. Dis donc, Astérix, ce serait pas un de tes mauvais tours par hasard? Non, tais-toi, Bénit. Je sais dormir. Regarde. Allez, viens. Ah, qu'est-ce que c'est fatigant. Regardez ces poulets. On va pouvoir servir comme dîner. Flamiaou, arrête de faire ta tête. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il ne faut pas les bouffer, il faut les prendre. Parce que c'est pour la sécurité. Ouais, c'est ça, c'est juste pour... Tu dis ça parce que tu veux garder tes poulets à toi tout seul. N'importe quoi. Oh, les Pokémon sont là. Mais... Hey, mais c'est notre Flamiaou. Ah bon? Oui, tu sais, avant qu'il se cassait. Pour une fois, Cyrix n'a pas déconné. Il essaie vraiment de nous manger, et vu le comportement de Flamiaou, et tu l'as entendu, il va tous les bouffer. Ouais, tu l'as dit. Il faut vite que je me débarrasse de ces poulets de bonne fin pour toutes. Tu veux dire des Pokémon de bonne fin pour toutes? Je veux dire les Pokémon de bonne fin pour toutes. Désolé les poulets. Oh, moi je vais aider. Comment va-t-on faire pour prendre les poulets? Ah bah c'est là, pourtant évident, on les bouffe. Je te l'ai dit, on n'est pas là pour les bouffer. Oh non, encore lui. Comment ça encore lui? Tu le connais? Bah oui, c'est un des bouffons que je viens de quitter. Ah bon? Ouais. Et celui, tu le connais? Le chapeau de paille? Pff, non, c'est un attardé. Comment oses-tu dire que je suis un attardé? Ouais, c'est vrai. Tu peux parler? Ah bah tu sais, on en a marre de tout le temps répéter les noms en boucle que on a décidé de parler. Qu'est-ce que voulez-vous faire? Attends, je suis presque à parier qu'il est en train d'essayer de manger le poulet. Oh, je le savais! Il essaie de manger le poulet à notre place. Ouais, c'est une haute trahison. Et de toute façon, j'ai une idée. Et si on laisse bouffer? Non, même ça, ce serait un peu trop facile. Et puis, comme tu l'avais dit, c'est entre la vie, là. Tu vois l'idée? Ouais. Comment ça? Où est-ce que tu vas en lire, Pana? M'en fous, battons-nous. À l'intérieur, on veut pas trop perturber les poulets. On n'est pas là pour se battre. Ouah oui. Flamiaou. Allez, battons-nous. Ouais. Non, c'est complètement insensé. Ouais, c'est censé.
Allez, très bien, on va voir de quel point tu te chauffes grâce à moi, Luffy et Obélix. Tu peux pas faire du mal à un chat. Moi, je suis un vrai batteur. Obélix, si tu veux pas te battre, je te comprends. Mais dans ce cas, ne regarde pas ça. Ok. Poule mouillée. Scaliaou ne pousse pas à bout. C'est un attardé. Regarde-moi. Regarde sa façon de porter le tenue. Et tu t'appelles comment? Luffy. Ah, Luffy. C'est complètement le nom le plus pourri qui soit. Tu disais... Ok, est-ce qu'on peut se parler? Non. Mais pourquoi? Parce que... Vous allez essayer de manger des poulets. Non, justement, c'est juste pour les protéger. Protéger? Mon œil, ouais, tu veux les manger tout court, c'est ça? Bande de monstres. Non, je t'assure, laisse-moi t'expliquer un peu. Hein? Oh, regarde, c'est le glou. Qu'est-ce qu'il nous fait? Manger. Mange pas. J'ai des tas de femmes à conquérir. Non. Tu l'avais pas entendu? Ouais, c'est pourtant évident. Il était tout bon. De quoi tu parles? What? Non, ne me dis pas que tu as mangé les poulets. Exactement. Oh, c'était vraiment trop bon. Obélix, on avait dit les protéger. Pas les bouffer. Non. Attends. Qu'est-ce que... Il... Quoi? Oh, j'ai fait des œufs. Obélix, c'est pas bien ce que tu as fait. Parce que là, tu as mangé les poulets. Mais c'était plus fort que moi. Oh, maintenant, qu'est-ce que va-t-il réagir à Astérix? Ça y est? Est-ce que les Pokémon sont partis? Ouais. Obélix a mangé les poulets. Quoi? Mais c'était le repas de ce soir, bande d'abrutis! Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu oses dire d'abruti? Ça se peut, c'est pas bien de traiter d'abruti. Et en plus, où est-ce que tu veux le revenir par repas de ce soir? Tu vois où est-ce que tu veux le revenir? J'allais profiter de la naïveté de Luffy et de Obélix pour le repas de ce soir. Afin que les Pokémon ne puissent pas... C'est justement ça! Pourquoi est-ce qu'on veut les protéger les poulets? C'est parce que tu veux bouffer les poulets! Exactement. Je veux dire, non, c'est... Enfin bref. Et tu sais, Marisson, tu es trop niais. Comment ça, trop niais? Parce que franchement, j'aimerais bien me mettre avec une équipe totalement cool, pas comme toi. Comment ça, pas comme moi? Parce que tu penses de travers et franchement, tu préfères protéger tout ce qui est juste nul, juste pour garder... du bien. Mais justement, c'est ça être super-héros. Je préférerais être un super méchant plutôt qu'être un super-héros. Hé, est-ce que tu crois que c'est ma faute que je... Tu veux que je me mens, c'est ça? Tu veux que je me mens tout le temps pour que je te fasse plaisir? Et tu veux vraiment que je sois... Un monde de bisounours en train de faire câlin tout le temps? Ouais, bah moi, au moins, je suis pas quelqu'un qui est tout le temps irrespectueux envers tout le monde. Bon bah, mieux vaut le laisser tranquille. Ouais. Ouais. Tu sais quoi? Je préfère sincèrement être dans le team Carapuce plutôt qu'être dans le team Marinier. Ah bah parce que tu trouves que... Ah bah maintenant tu n'as plus rien à dire, hein. Tu veux être un casse-pied comme Carapuce et ça? Ah, des insultes débiles, hein. Tu veux que je t'insulte vraiment? Eh bah franchement, moi je trouve que tu es un véritable charogne. Alors là, franchement... Tu es bon pour perdre un des équipiers comme moi. Ouais, ben moi, je serais bien content de perdre un équipier comme toi. J'en suis bien content d'en entendre. Eh ben moi aussi. Quelle journée pourrie. Pardon, Luffy. Je voulais pas me contrôler. Hein, c'est pas grave, les erreurs, on en fait partout. Moi-même, j'en ai fait un tas d'erreurs et pourtant, ça m'en fait pas de moi un homme malheureux. Oh, ça fait plaisir de l'entendre. Ouais, bah c'est ta faute, on peut plus servir de repas.
ce soir, on va devoir manger des légumes. Alors toi, sale hypocrite, je savais que j'aurais pas dû faire confiance. Pourquoi c'est toujours comme ça à chaque épisode? Je me demande s'ils vont faire une compilation de victimes d'Astérix. D'abord Pokémon. Je me demande s'ils vont faire une victime de toi. D'abord Mickey, Panthéon, maintenant Astérix. Mais la ferme! Non!